Hop là, parfait. Vous n'êtes pas du tout droit. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, une journée à la fac. J'ai pas fait de vidéo fac depuis pas mal de temps en réalité, parce que j'ai plus le temps, voilà. Mais de base je vous fais ça dans un weekly vlog, là je voulais vous prendre juste une seule petite journée qui est assez sympathique, sachant que là il neige dehors, c'est extrêmement cool. Pas pour certains parce qu'il y en a qui n'ont pas de transport parce qu'ils habitent très loin, donc ça va être assez drôle aujourd'hui. Je me suis fait mon petit cappuccino as usual, dans une petite tasse qui vient d'un artisan à Lisbonne. Elle est trop belle la tasse, vraiment j'adore. Et là je me suis dit, il faut prendre le temps de petit déjeuner le matin. Donc je me suis fait du muesli, yaourt grec, mangue, framboise, fruits rouges et fraises. Donc tout n'était pas bien décongelé, donc c'est un peu chiant. Mais bon, dans les prochains jours, ça sera bien décongelé. Je vais pouvoir manger ça, ça a l'air super bon. Il y a une meuf de ma classe, elle m'a envoyé ça. C'est toutes les lignes de RER et tout, enfin tout le bordel qui est en rouge. Il est donc 7h54. J'ai cours à 10h, donc je me suis levée beaucoup plus tôt aujourd'hui pour pouvoir filmer, parce que ça prend beaucoup plus de temps quand tu filmes les choses, quand tu les filmes pas, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai territoire du risque, donc c'est une matière qui ne m'intéresse absolument pas, vu que c'est encore des risques littoraux, tout le bordel, naturel, je ne suis absolument pas intéressée, ça fait 3 fois qu'on fait un truc comme ça, je n'en peux plus. Entre géodiagnostic, je vous ai pas montré mon volcan d'ailleurs, entre géodiagnostic avec les volcans, là avec les risques littoraux naturels, franchement je suis ravie. Moi qui viens de finance, il y a un monde entre les deux. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en master de gestion de risque et de crise à Panthéon-Sorbonne. Avant ça j'ai fait du droit, de la Sciences Po et de la gestion finance. Et aujourd'hui je suis malade, enfin je suis malade depuis 2 semaines, je n'en peux plus. Je suis en train de mourir. Donc voilà, aujourd'hui c'est territoire du risque. Et ensuite l'après-midi c'est les ateliers qui commencent. En fait on a des ateliers avec la fac. Et moi je suis sur l'atelier Air France. Donc ça c'est trop bien, on va travailler avec eux. Et en fait on a des ateliers où on a aussi à faire un espèce de... On doit faire aussi un PIX, c'est un plan intercommunal de sauvegarde pour la commune de Saint-Mauré-sur-Loing, c'est dans le 77. Et voilà, donc il y a beaucoup de travail à la fac en soi. Et ensuite, après les cours, on va tous se boire un verre. Et il y a mes amis qui me rejoignent, enfin, il y a 2 de mes amis que vous connaissez déjà, que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui vont venir me rejoindre boire un verre. Et Cindy ne pouvait pas, elle était déjà occupée. Et le soir, je ne dormirai pas chez moi parce que je dors chez mon copain qui habite à seulement 20 minutes de la fac. Même pas 3 arrêts de RER. Alors là, on est ravis. Donc voilà, c'est parti, je vais manger mon petit déjeuner, on va se préparer après dans la salle de bain. Bon, je me suis lavé les dents, mon dieu, cette coupe de cheveux. Je me suis aussi lavé le visage avec la crème nettoyante de chez Avène Spécial Hydratation. Bon là, ma peau elle est hyper sèche, c'est totalement normal avec le froid. C'est une calamité. Je voulais vous parler de ma crème qui est vachement bien. Ça fait très longtemps que je vous en porte, ça fait depuis septembre environ. Et à chaque fois vous me demandez la marque, enfin tout le bordel. Donc c'est Eucérin Aquaphor. Faut faire attention à ça, c'est Aquaphor, c'est du gras. Ça peut se mettre sur les peaux de bébé, les mains sèches, les cuticules, les talons, les pieds, les peaux sèches, craquelées. Et moi j'utilise pour les lèvres par exemple, pour pas que ça soit craquelé, etc. parce que j'ai les lèvres sèches. Et aussi pour les mains, enfin toutes les parties sèches. C'est génial, vraiment vous mettez ça, vous avez plus rien. Là en fait, je sais pas si vous allez voir, hier tout ça là en fait, tout là c'était rouge et craquelé. Là c'est juste sec. Il y a différents tubes, le grand tube que moi j'ai à la maison. Il y a un tube un peu plus petit que je prends avec moi aussi. Et un autre petit tube tout petit, on dirait un baume à lèvres en fait, que je mets dans mon petit sac à main quand, au cas où j'ai pas de la place pour prendre avec moi. Mais en tout cas ça je le mets beaucoup aussi sur le nez quand je me mouche. Genre je reprends un petit peu de baume qui est sur mes lèvres et je le mets un petit peu au niveau du nez, parce qu'à force de se moucher, ben, on a le nez sec et avec ça on n'a pas du tout le nez sec. Donc je vous conseille vraiment cette gamme là. Cindy qui me l'a recommandé parce qu'elle elle a tout le temps la peau sèche, et ça je vous conseille vraiment, c'est très très bien. Ça coûte un peu cher, c'est 18€ le grand tube, mais moi ça me dure depuis 6 mois, donc plutôt pas mal. Et l'autre tube aussi, le plus petit, je l'utilise vraiment tout le temps et il n'est pas encore vide, donc c'est un bon investissement. C'est genre 2 tubes par an. Donc vraiment n'hésitez pas. Là je vais prendre Patika, je l'ai bien entamé, hein, regardez, c'est pas mal du tout. C'est un sérum à l'acide hyaluronique et à la trémella. Il sert bien pour garder l'hydratation, hydrater la peau. Parce qu'en fait l'acide hyaluronique va faire une espèce de barrière pour pas que l'hydratation s'échappe. Donc ça c'est vraiment bien, donc à la fois ça hydrate et à la fois ça garde l'hydratation. Et juste après en fait je vais prendre mes compléments alimentaires Cure. C'est ce matin en fait en me regardant dans le miroir, j'ai vu, regardez, je sais pas si vous voyez, tous mes petits cheveux. C'est hallucinant, je peux me faire une frange. Vous voyez tout ça là? Tous mes petits cheveux que j'ai là. Bah on va prendre celui-là comme pas. Enfin non, ça c'est pas un petit cheveu, mais si, c'est un petit cheveu là. Vous voyez là? Tout ça, bah c'était pas aussi long. Et j'ai pris ma cure pour les cheveux, je crois que c'était fin novembre, début décembre. Je crois que c'est ça.
Et ben ça a fait un effet, mais pouf, genre je ne comprends pas, je me dis mais c'est pas possible que ça soit ça, et en fait bah j'ai pris que ça, donc je pense que oui. Bon, je mets ma petite crème hydratante, ça j'en ai quasiment plus, mais j'ai d'autres crèmes de Mademoiselle Bio à tester, notamment ça. Je l'ai en crème de nuit le soir, elle est géniale, donc je le testerai en crème de jour. Et je pense du coup que c'est ça, parce que vraiment mes cheveux ont poussé. Déjà mes cheveux ils poussent très vite je trouve, par rapport à la norme générale. D'ailleurs faut que j'aille chez le coiffeur, mais ça a vachement poussé, enfin je suis extrêmement contente. Donc mon code promo pour Cure c'est ELISA2092, vous avez toujours le lien, barre d'information, etc, enfin, toutes les infos. Et du coup sur leur site ils vous expliquent vraiment tout, c'est hyper bien fait leur site, franchement. Ils sont un développeur web excellent. Et donc n'hésitez pas à aller voir. Moi j'ai pris tout ce qui est vitamines, etc. pour l'hiver. Et aussi pour les cheveux, pour pas perdre mes cheveux, pour les faire pousser un petit peu. Et franchement, je suis ravie. Alors par contre, le complément alimentaire, je crois qu'il coûte un peu cher. Je l'avais payé 35 euros, je crois. Mais visiblement, ça marche. Déjà, je l'avais testé à Athènes, je me souviens, pour la perte de cheveux, je crois. Et ça avait vraiment bien fonctionné sur ma brosse, elle avait quasiment pas de cheveux. Alors je pensais que ça aurait un effet un peu progressif, mais en fait, visiblement pas du tout pour moi en tout cas. Je mets un petit peu de baume là sur mon nez parce que j'ai trop mal. Et je disais quoi, et du coup ça avait bien marché, donc je suis vraiment trop contente. Là je vais me maquiller, bon le make-up c'est vraiment tout le temps le même, enfin je n'ai jamais changé de produit. J'ai pas de produit make-up, enfin j'ai que une toute petite trousse comme ça, qui est amplement suffisant, avec un anti-cerne. Alors voilà, ça va être très rapide. J'ai vu la RATP, c'est un bordel, il n'y a rien qui fonctionne, donc... j'espère que je pourrai quand même arriver à la fac parce que je suis assez loin quand même de Paris. Donc à tout moment j'attends mon bus mais pour rien. Et je me prépare pour rien. Bref, je me prépare, peut-être pour rien, mais je me prépare. Et je vous dis à tout de suite. Alors en tant que bonne youtubeuse du coup, j'ai préparé mes affaires pour aujourd'hui et pour demain. Donc je vais mettre un petit pull. Après pour le pantalon je sais pas. Soit un truc genre simili cuir. Soit un pantalon, mais je sais pas où est-ce qu'il est mon pantalon. Genre il a disparu. Ah oui voilà mon make-up. Très très simple comme d'habitude, voilà, je ne change pas trop. Bon, j'ai retrouvé mon pantalon, c'est une très bonne nouvelle je trouve, parce que je vais mettre une doudoune en simili cuir, donc du simili cuir plus du simili cuir. Écoutez, voilà, c'est du fashion faux pas là. Hop, donc je mets toujours un t-shirt en dessous là parce que il fait trop froid dehors. Bleu, je l'adore, il est trop beau, il vient de chez Primark, il est incroyable. Hop là, oh, en plus ils sont trop bons. Ça c'est parfait, je vais aller me faire mes cheveux et puis bah, on va y aller. Hop. Je vais mettre mes petits chaussons parce qu'il fait trop froid encore. Pour les cheveux, vu qu'il fait froid, tout ce que je vais pouvoir faire ne va pas tenir. Donc je vais juste... mes cheveux sont trop longs, ils rentrent même pas dans la caméra. Je vais faire quoi? Bonne question. Ce que j'aime bien faire avec mes cheveux, c'est juste boucler le bas. Voilà, juste avoir un petit peu d'ondulation vers le bas. Ça c'est un babyliss, on me demande souvent. Ça fait 15 ans que je l'ai. Je crois que je l'ai eu au collège. Donc ouais, ça fait un bon quasiment 15 ans. Et il existe encore, mais en des versions beaucoup améliorées. Et c'est vraiment bien. À part si voilà, vous savez pas l'utiliser, des fois ça se coince et ça arrache vos cheveux. Ça m'est arrivé je pense 5 fois. Et après t'as le coup de main donc ça va. Mais voilà, ça fait des petites boucles, ça tient, c'est bien. Là je suis pas sûre que ça tienne aujourd'hui, vu l'humidité qu'il y a dehors. Mes cheveux vont friser, surtout mes petits cheveux là. Et ça prend littéralement 5 minutes. Voilà. Il est 8h45, je vais pas tarder à y aller parce que je sens que sur la route ça va être un bordel. Donc là c'est l'appareil à raclette parce que je vous ai dit, je fais une raclette aujourd'hui parce que déjà j'ai envie de faire une raclette. Mais aussi c'est l'anniversaire de Romaric. Quand c'est les anniversaires des gens, j'essaye de faire une carte anniversaire avec la signature de tout le monde. Donc là c'est le verso de la carte. Et là c'est le recto avec joyeux anniversaire, j'ai 23 ans, etc. avec sa tête là. Et à l'intérieur c'est lui avec toute sa tête autour, avec mon petit mot, après il y aura le mot de tout le monde. Et la dernière fois il y avait aussi l'anniversaire de quelqu'un mais j'ai complètement oublié de faire sa carte, enfin vraiment j'ai complètement zappé. Donc j'en ai fait une autre, donc 25 ans avec sa tête là ici, avec des verres et sa tête là en train de montrer. Donc là j'ai essayé de mettre sa tête un peu partout avec le sigle EDF parce qu'il travaille chez EDF. Du coup j'ai fait ça. À l'intérieur j'ai mis EDF partout avec le logo de la farne, enfin le mot farne. Donc la raclette pour ce midi, j'ai pris la bougie aussi parce que c'est moi qui organise tout le temps ça. Personne n'y pense, c'est dommage, mais bon, tant pis. Hein. Enfin, il n'y a que les poissons pour y penser. Et je vais reprendre mon livre Écoute ton corps. J'avais commencé en mois de septembre à le lire et j'avais un peu décroché, je vous avoue, parce que c'était un petit peu trop spirituel. Enfin voilà. Mais pourquoi pas réessayer, retenter, je sais pas. Donc je vais le prendre avec moi. Donc mon sac est prêt, on va mettre ma trousse de toilette, j'espère que ça va rentrer. Oh là là.
ça va être un carnage. J'ai du coup fait cuire tout ce qui est tout ce qui va y faire cuire pour la raclette, donc les patates et lardons champignons. Donc ça c'est bon. Donc voilà pour l'outfit, vraiment un truc très très simple. D'habitude je mets des talons, des jupes et tout, mais là comme il fait hyper froid et que ça glisse surtout, c'est pas une bonne idée. Donc petit pull, petit cargo là avec plein de petites poches pour mettre les mouchoirs, les machins, enfin tout le bordel, c'est génial. Et mes cheveux, vous voyez ça, ce que ça donne, c'est très léger, hein. Enfin franchement, c'est bien. Après ça va pas trop tenir je pense avec la neige, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, le bonnet obligatoire parce que ça caille sa mère. Là je l'ai acheté à Primark, il est génial, j'aimerais trop en racheter des comme ça, parce qu'ils sont vraiment bien. Après il y a mes cheveux qui me gênent, of course. Je mets quoi? Ah bah je peux mettre mon... Est-ce que je mets ça? Où est-ce que je mets ça? Ah je sais pas, j'arrive jamais à faire de choix. Pince, il s'est mis en dessous de mon porte-manteau comme d'hab. Les gants, où sont mes gants? Oh non, je sais pas où sont mes gants. Bon, ça fait extrêmement con avec ça qui dépasse quand même. J'essaie de le rentrer, hop. Parfait. On est plutôt bien. Eh, on est pas mal là. Petite poche. Eh, je suis très bien là, je suis vraiment ravie. J'en ai que 1 sur 2. Comment se fait-ce? Bon, oh, c'est déjà bien, écoutez, on va se démerder avec. Et eh ben, je vous retrouve au téléphone, parce que toute la journée après ça va être au téléphone. C'est parti, je suis extrêmement chargée, j'ai un sac à dos et un tote bag. Pépouze. Alors par contre, je ne comprends pas. Genre tout est bloqué, alors qu'il y a 1 mm de neige. Vraiment, j'ai un peu du mal à capter. Il fait froid, mais genre ça va. Et là, ce que vous entendez, c'est de la gadoue. Donc no entiendo là. Pourquoi les RER sont bloqués? Pourquoi il n'y a aucun bus? Bon, ça y est, je suis arrivée. Heureusement que j'ai pris le 216. Vraiment, le RER était blindé et je me vois pas faire 30 minutes de RER en sardine, c'est impossible pour moi, j'arrive pas. Mais en soi ça va là à Paris, y'a pas de neige, enfin y'en a mais ça passe. Genre regardez, c'est que de la gadoue, c'est nul. Et ils disent que circulation difficile, machin, neige, verglas, mais qu'est-ce que tu me parles? Donc du coup, là j'ai territoire du risque pendant 3 heures. Donc pendant 3 heures je vais jouer à Little Planet, ça va être très sympathique aujourd'hui. J'essaie de battre le record de mon Twitter parce qu'il m'a mis au défi de le battre. Il est à 4000. J'ai toujours pas réussi à dépasser les 2000. Très très bien. Bon voilà, nous sommes à la pause déjeuner. Je vais aller chercher des boissons pour l'anniversaire de Romaric et de Enzo. Ça m'a fait extrêmement rire parce que Enzo il a dit moi j'ai pas eu de carte à mon anniversaire alors que je lui ai prévu une carte pour aujourd'hui. Ça m'a fait trop de peine. Du coup il y a Claire qui est allée acheter deux pâtisseries donc pour Romaric et Enzo. Et l'appareil à raclette est en train d'être installé. Et moi je vais acheter les boissons. Le Carrefour. Est-ce qu'il y a des boissons frais là-dedans? Il fait tellement froid dehors. Et Coca. Coca. Bon, ça y est, j'ai les boissons. C'est aberrant, j'en ai pour 8 balles pour ça. Les prix parisiens. Ça fait mal. On va tout installer. Claire a des bougies, j'ai une bougie aussi. Comme ça, ils vont tous souffler leurs bougies. Enfin de base normalement la bougie elle se souffle le jour de son anniversaire, donc Enzo dans base ne devrait pas genre souffler. Donc c'était le 2 janvier. Oh mais qu'on va être bien. Oh là là. C'est trop mince parce que. Ils ont pris du coup des petites pâtisseries. C'est trop mignon. Là, il y a une petite bougie, les gobelets. Autre pâtisserie, non mais je meurs. Trop mimes. T'es allé chez le fromager. Le fromager, là. Oh, tu le sens à travers le papier. Oh la vache. Oh, ça va puer ici. C'est trop. Oh mon dieu. Oh là là, incroyable. Incroyable. Oh là 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 là, Romaric.
pense pas que tu feras ça à Venise en plus. Ah non. Avec ta soeur, c'est trop kiki. Ouais, j'ai dit ma soeur, j'ai envie de partir et tout à mon anniversaire, tu viens avec moi. De base, on devait aller à Madrid. À Madrid. Et après, on a vu les prix, on s'est dit non, vaut mieux Venise. Ouais. Ah ouais, mais c'est du vrai quoi. Ah ouais. Non, mais attends. Un peu la varicelle, mais. Non, mais attends. Ah, mais alors là, on va chez là. Oh là. Let's go. T'as une assiette ou pas? Que nenni. Bah, tu peux prendre le couvercle de mon truc. Et ouais. C'est pas moi, en tout cas, ça. C'est quoi cette... Je sais pas. Bah écoute... Attends la lumière. Vite. Joyeux anniversaire Enzo et Romaric. Joyeux anniversaire Enzo et Romaric. Joyeux anniversaire. L'histoire est hyper drôle. Tu commences à avoir des packs. Il y avait que des bénévoles. Et depuis l'année dernière, il y a deux ans maintenant, on a une équipe salariée parce qu'on a plus de besoin d'outils. Ouais. Et Laura, qui l'a connue, était bénévole au départ et maintenant elle est en CDI chez nous. Les enjeux, c'est les aléas locaux. C'est si demain, on a une tempête comme en 1999. Effectivement, ça. Ça abîme la peau. Hein. Vas-y, Philippe. Fais-nous des planètes. Hop là, regarde-moi ça. Wow. Boom, oh, boom, oh, boom. Incroyable. Oh, bim. Comment tu vas, Bonos? Ah, on doit faire un truc, je n'ai pas compris. Tu as deux équipes? C'est des skis? Non, le skis, c'est je viens de rentrer, je pense que vous l'entendez, je suis malade, on est ravis. Il est 18h, en fait on est le lendemain, le vendredi. J'ai pas pu, ça me saoule, j'ai pas pu vous filmer parce que bah on pouvait pas vraiment filmer. Je pensais qu'on pouvait aujourd'hui, enfin hier, et non pas du tout. Dites-vous, j'ai même pas fini mon sandwich. Genre vraiment, j'ai trop mal au crâne déjà parce que je suis assez malade et j'ai ma voix encore qui part en couille. Et j'ai une barre, enfin bref, j'ai une migraine pas possible, je crois que c'est ça. Vraiment, je n'en peux plus. Et on a eu vraiment deux jours qui peuvent paraître cool. Au niveau du travail, ça va. Mais c'est plus mentalement, je trouve que c'est compliqué. Je vais peut-être vous poser, je sais pas, on va peut-être vous poser. Donc là, il est 18h. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait, mais là, je vais me poser. Je pense que je vais faire un chocolat viennois, sûrement. Du coup, hier, on a eu territoire du risque. Bon, ça, je suis absolument pas, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai l'impression d'entendre les mêmes choses depuis deux ans, genre, enfin, ça m'intéresse pas. Après, moi, je fais pas trop semblant quand ça m'intéresse pas. Du coup, j'ai joué à Little Planet, j'ai battu le record de mon tuteur. Je suis extrêmement ravie. Et après, l'après-midi, c'était beaucoup plus intéressant. On a eu, du coup, on est dans l'équipe Air France, enfin, l'atelier Air France, qui est là pour qu'on puisse optimiser ses outils pour gérer les crises. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est un peu ce que je fais un peu au taf. Enfin. C'est plutôt la continuité de ce que je fais à mon taf. Et du coup, je suis dans une bonne équipe, je trouve. Une bonne dynamique. Et ce monsieur, celui qui nous encadre, qui est chez Air France, il est extrêmement gentil. Enfin, vraiment, il est là pour nous. Genre, il prend du temps pour nous, alors que le mec, il a une vie de ministre. Et du coup, on a fini un peu tard. On est allé boire un verre. Et il y a mes deux amis qui sont venus. Ils ont rencontré du coup mon copain, mes autres amis, etc. Enfin bon, c'était assez sympa. Et je vous ai pas dit, mais j'organise mon anniversaire. Oula, attendez, vous n'êtes pas très droit. J'organise mon anniversaire le 24 février. Parce que mon anniversaire, c'est le 22, mais je fête le samedi. Et bien, du coup, je pensais qu'on serait genre une 10, tu vois. Enfin, voilà. Et en fait, on serait une vingtaine, genre le double. Donc, j'ai dû réserver la salle aussi. Donc, je vous montrerai la salle que j'ai réservée. C'est plutôt pas mal. On a eu toute une journée pour faire le PIX. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un plan intercommunal de sauvegarde pour une commune. Donc on a un petit peu perdu de temps ce matin parce qu'on devait faire un zoom avec une dame qui s'occupe de ça. Mais on n'a pas pu parce que il y a des gens qui n'étaient pas dispo, donc on a attendu 15h30. Donc de 10h à 15h30 on a essayé de taffer un petit peu, mais il faut quand même l'aval des gens pour pouvoir avancer et pas faire du travail dans le vent. Je suis partie, je devais bosser sur un autre projet. On n'a pas de bosser sur des projets, on devient limite schizophrène. Mais en fait mes collègues n'étaient pas disponibles pour
taffé avec moi à ce moment-là parce qu'ils sont dans un autre exercice de crise. Et tout le monde me saoulait en même temps, donc je suis partie, je suis rentrée chez moi et là je viens seulement de rentrer. Vraiment très fatiguée dans le sens où je suis fatiguée mentalement, c'est la pire des fatigues, je trouve, que la fatigue physique. C'est que j'ai l'impression que je dois toujours tenir par la main les personnes pour faire les choses. Genre si je dis est-ce que vous pouvez faire ça, 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 bah si je reviens pas derrière une fois, deux fois, trois fois, bah ça n'est pas fait et ça m'énerve. Et du coup je dois tout le temps essayer de rattraper les bourdes des gens et après les directeurs ils me disent Elisa bah vous fournirez les données, mais les données ça fait genre trois mois que j'attends les données mais que c'est toujours pas fait. Enfin que des trucs comme ça et ça m'énerve. Là je vais arrêter d'être sur mon téléphone parce que je reçois des mails alors que ça ne m'est pas destiné. Je reçois des demandes alors que les gens peuvent très bien le faire eux-mêmes. Envoyer un document, au bout d'un moment t'as pas besoin de me solliciter pour envoyer un document que tu as dans ta boîte mail ou dans ta Dropbox ou dans je ne sais quoi. Enfin au bout d'un moment c'est bon, arrêtez de me faire chier. Parce que en fait je reçois, sans vous mentir, 200 mails par jour. Entre YouTube et ma boîte mail perso, je reçois énormément de mails. J'essaye de les virer au fur et à mesure et de les trier, mais malheureusement ma boîte mail perso, bah il y a de plus en plus de choses importantes. Et des fois des messages, des mails qui ne me sont pas destinés sur les 200, sans vous mentir, il y en a au moins 40 qui ne me sont pas destinés. Alors à chaque fois je reçois des mails, ça me... Tu vois, une fois de temps en temps ça va, mais ça fait 5 mois que ça dure. Enfin c'est usant, je regarde pas ma boîte mail pendant une semaine. Genre j'en ai plus de 1000. Déjà j'aime pas les mails, mais alors là encore moins quoi. Enfin bon voilà, j'avais besoin de me télécharger, je sais pas pourquoi, mais je pense que vous voyez un peu mon état mental. C'est vrai qu'une journée à la fac ça peut être génial comme ça peut être épuisant. Et en fait nous on a beaucoup de devoirs à rendre et beaucoup de choses différentes à faire. Enfin vraiment, quand tu passes de Air France à la commune, à territoire du risque, à un truc sur les volcans. Je vous ai pas montré mon affiche sur les volcans, je vais vous la montrer après. Genre j'avais déjà commencé un petit peu à imprimer les choses, c'était l'ancienne version. Je vais me faire un chocolat chaud, je vais regarder la Star Academy, je vais me poser pépouze. Elle arrête pas de miauler ce con. Qu'était pas ça, mes principes? T'as eu ta pâté? T'as tout mangé d'ailleurs. Hein? Et là il est en mode zoomise, vous savez genre où il court partout. Il est fou, ça y est, t'es fou, mon cœur. Tu fais ma petite boisson, chocolat chaud, viennois, incroyable. J'ai lancé la machine pour nettoyer le plaid, au moins ça s'est fait, je me suis lavée aussi, donc ça s'est fait. 18h27, on va se poser, on va regarder la Starac. Il est 20h55, je vais vous montrer du coup mon projet volcan. Mais en gros on devait faire les risques volcaniques, donc on a choisi le volcan Thal. Je vais peut-être vous mettre une insertion. Donc voilà, c'était ça pour le volcan Thal. Donc c'est une affiche quand même à zéro. Donc c'est 8 feuilles à 3. C'est énorme, c'est extrêmement grand. C'est du 1m20 sur du 80. Donc c'est quand même assez grand. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est moi qui ai fait les petits dessins. Bon là c'est un peu flou du coup sur le truc, mais c'est moi qui ai fait le petit dessin. C'est moi qui ai dessiné là aussi. Donc plutôt pas mal, genre j'aime beaucoup. C'est assez joli, c'est coloré. Donc j'espère que ça va leur plaire. Et en tout cas on s'est donné, enfin moi j'ai beaucoup passé de temps sur le dessin et le visuel. Et j'ai fait du coup les trois petites cases, la culture, prévention, perception, plus les visuels. Et franchement, trop contente du résultat en tout cas, j'espère que ça va plaire aux professeurs. Mais dans l'ensemble, franchement, je suis très contente. Je pensais pas faire un truc comme ça pour un volcan. J'avais déjà l'idée un petit peu en tête de mettre un grand volcan que j'aurais dessiné au plein milieu. Et quand je vois les affiches des autres, enfin, vraiment ça n'a rien à voir. Les autres sont partis sur une structuration en 4 du poster, moi c'était vraiment en vertical. On n'a pas du tout fait la même chose, donc ça c'est vraiment top. Au moins on peut voir différents modèles et c'est inspirant en tant que graphiste, parce que je suis graphiste aussi à côté. D'avoir plusieurs modèles et tout, plusieurs choses, donc c'est super sympa. Donc voilà, déjà pour ça je devais aussi vous montrer, ah oui, sur Notion. Alors peut-être que là ça va être un peu plus simple de vous montrer sur mon téléphone. Notion c'est une application que j'utilise pour gérer des équipes. Je le fais assez souvent et en fait donc on va faire le Pix. Donc voilà pour la page d'accueil, il y a les noms des gens etc. Et après il y a le task, doux et calendrier. Donc par exemple pour task, on a mis donc les
les prévisions pour la réunion, donc on peut faire le statut, commencer, en cours, terminer, etc. À côté, il y a le nom des personnes et les dates. Pour la prévision de réunion, par exemple, bah voilà, on a mis toute la to-do list juste en dessous, enfin des choses à faire, etc. Ensuite, les docs, donc on a la trame et le chapitre avec les liens vers le Google Doc et en cours de vérification et le brouillon. Et enfin, on a le calendrier, ça c'est plutôt pas mal, donc sur l'ordi on voit un peu mieux. Par exemple, le 19, on avait une réunion et on a fait la to-do list, etc. de tout ce qu'il fallait faire et les commentaires de la visio qu'on a eu. On peut tout mettre dessus. Donc j'essaye d'implémenter un petit peu plus ça. Il y a aussi, je sais pas si on voit la chronologie. Donc on a aussi la chronologie des différentes choses à faire. Enfin, en tout cas, là j'ai juste mis les ateliers. Et on peut affilier les gens aux tâches, donc ça c'est vraiment top. Au moins, si notre chef il veut nous affilier à quelque chose, bah au moins il peut. Malheureusement, pour Notion, il est limité en nombre de blocs, ça c'est un peu chiant. Faut payer sinon. Bon, c'est logique, en même temps, ça va pas être gratuit tout le temps. Donc voilà, en tout cas, c'est bien pour ce petit projet-là, on arrive à s'organiser. Les équipes arrivent un petit peu à s'habituer à ce nouvel outil, parce que c'est un nouvel outil de gestion de projet que moi j'utilise depuis très longtemps. Souvent les gens le font sur Google Doc ou sur Sheets, dans OneDrive. Et là pour Air France du coup, on a commencé à faire un diagramme de Gantt, si j'arrive à retrouver. Ah si, vous allez voir. Et n'hésitez pas à me donner des conseils, notamment pour ce retro planning là, parce que je n'ai jamais fait ça sur Sheets. Moi je fais tout le temps sur Notion ou sur PowerPoint. Moi on l'a fait sur Sheets pour un peu changer, mais c'est un peu plus galère à formaliser. Donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils, si vous avez même un modèle, à m'envoyer par mail ou je sais pas. Enfin, moi je suis vraiment preneuse de tous les conseils des étudiants, parce que je sais qu'on galère un peu tous avec tous nos projets. Donc, voir différentes manières de travailler, parce que moi je vous en ai proposé plusieurs de manières de travailler, mais si vous en avez aussi, n'hésitez pas. Quand je travaille toute seule, je travaille que sur l'iPad, donc c'est que à la main, mais peu de gens travaillent sur l'iPad. Donc c'est pour ça que si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et du coup, pour le volcan, je vous ai pas montré, mais donc ça c'était l'ancienne version. Mais en gros, c'est 8 feuilles comme ça, 8 feuilles à 3. Donc c'est énorme, ça se présente comme ça, c'est trop fun. Et je vous ai pas dit, mais en gros, le plus beau poster, je sais pas si c'est le plus beau de tous, ou le plus beau, je sais pas si ça se dit le plus beau, mais voilà, par thème, parce qu'il y a 3 thèmes, sera imprimé. Je sais pas qui va payer l'impression, parce que c'est 30 balles, donc on va peut-être se calmer. Mais ça sera imprimé et affiché, je crois. Bref, je vais me faire une petite soirée tranquillou. Je vais me démaquiller, tout ça, enfin rien d'intéressant. Je vais mettre ma crème hydratante. Enfin vraiment, je fais pas trop de routine le soir. Enfin, c'est très très rapide. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, c'est le cas. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si vous n'êtes toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.